Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo banger aujourd'hui, je suis vraiment super content de la faire avec Myriam. Salam Seb, j'espère que vous allez bien. Myriam, aujourd'hui on va passer 24 heures en motocross. Oh, incroyable les gars, c'est mon rêve depuis grave longtemps. Vas-y, moi j'y vais, c'est parti les gars. Non, on commence par la petite moto. Mais non, arrête de n'importe quoi, moi j'ai ma moto, je vais faire de la moto. Attends, je t'explique. Si on leur montre d'abord la grande, la surprise elle est gâchée. D'abord faut leur montrer un avant-goût, la petite. Bon, d'accord, vas-y. Allez, tu m'aides à la sortir parce qu'elle est trop lourde. Ok. Tu m'aides. Allez, c'est parti, ta petite moto. Par contre, on fait vite, s'il te plaît, parce que j'ai envie de faire de la moto moi aussi. Oui, tu vas faire ta petite moto, vas-y, allume-la. Moi je me dessus, toi tu me pousses, vas-y. Vous faites de la moto, est-ce que vous mettez un casque ou vous mettez pas de casque? Faut mettre un casque, attention, vous mettez pas de casque. Ah, respectez-moi, on va en faire dehors. Ah ouais? Bah oui. Tu vas aller dehors? Bah oui. Imaginez, les gars, est-ce qu'elle a le droit de faire de la moto dehors? C'est ça la question, normalement elle a le droit, vas-y, go dehors. Est-ce que tu sais, cette moto elle s'appelle comment de base? Cette moto là, regardez. Crucière. Non, regardez, c'est quel type de moto? Seuls les vrais abonnés qui sont fans de moto, ils savent. Elle s'appelle comment? Tu dirais toi comment? C'est pas une motocross. La bétonneuse. Elle s'appelle Harley Davidson. Ah. C'est les Américains, les bikers en Amérique, ils ont des grosses motos comme ça. Ouais, avec leur casque et leur moustache comme ça. T'as capé. Donc on peut monter à deux. Je pense que vas-y, tu montes et je monte. Non, ça va pas la tête, tu vas la casser. Comme t'as cassé mon vélo. Dans cette famille, vous m'énervez. T'as cassé mon vélo la dernière fois. Donc là, ce que je te propose, c'est de commencer à faire de la moto. Vas-y, tu peux commencer à l'allumer, à faire un bruit, laisse tomber. Et après, on ira avec la grosse moto, les gars. C'est parti. Les gars, c'est parti. Par contre, ça va très lentement là. C'est de bébé. Attendez. Ok, là, les gars, on a mis la vitesse. Et c'est parti. Ouais. Incroyable. Tu fais un accident. Wow. Comme vous le savez, dans ce 24 heures, il va falloir manger. Là, je vais lancer un défi à Myriam. Myriam, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Quoi? Tu réussis les 3 défis, tu pourras avoir 30 euros. Chaque défi te rapportera 10 euros. Si tu réussis 0 défi, tu vas manger comme moi aujourd'hui, les gars. Il y a un papa qui m'a dit. Commence à manger des légumes et de la viande. Ok. Dans cette vidéo, on va voir si Myriam réussit pas les défis. On mange des légumes et de la viande. Premier défi. Tu vas devoir être sur le trottoir et descendre ta moto tout en bas sans que tes pieds touchent le sol. Ah, sans que mes pieds touchent le sol. Les gars, ça va être dur, j'espère que je vais pas tomber en avant. C'est pas un défi difficile. 10 euros. Est-ce qu'elle va réussir à descendre le trottoir? C'est réussi. Faux, c'est pas réussi. Quoi? Elle a touché. Ses jambes ont touché le sol. Deuxième essai. Faut que je mette mes pieds en gros sur ça là. Oui, Yassine, regarde bien, ses pieds touchent pas le sol. Oh, Myriam la bikeuse, va-t-elle réussir? Attention, le stress. Tu vas râler. 10 euros, c'est incroyable. Avec 10 euros, je pense que je peux acheter une bonne pizza. Aujourd'hui, je peux manger des légumes et de la viande. Deuxième défi, je m'en occupe lui. En fait, il veut tellement manger qu'il fait exprès de lui donner des vieux défis. Moi, je m'en occupe, je vais lui donner un défi de fou furieux. Myriam, ton deuxième défi, tu vas devoir me battre en vitesse. Alors que moi, je suis à pied, elle est en moto. Je vais mettre la vitesse sport. Impossible, c'est impossible, il me bat plutôt. Ce qu'elle sait pas, c'est que moi, j'ai la super vitesse. Mais je vais te passer mon téléphone pour que je me désalourdis. Je vais bien mettre mes chaussures. Et là, je vais mettre la super vitesse. J'ai un truc à te proposer. Quoi? Je te laisse gagner, tu me donnes 10 euros. Vas-y. À vos marques. Prêt? Partez! Oh, on accélère! J'ai gagné! Tu fais des trucs bizarres, comment ça? Pourquoi tu cours comme un orang-outan? Tu cours pas comme ça d'habitude? Attends, si on fait une course toi et moi, tu vas pas courir comme ça. Donc là, t'as gagné, ok? Je suis d'accord avec toi. Ouais. Troisième et dernier défi, je m'en occupe. Oh. Là, on va faire un truc vraiment impossible et incroyable. J'arrive à faire de la moto juste. Non, pas des défis comme ça. Défi. Oh, tu m'as dit de monter sur la moto? Tu vas devoir faire 3 figures. Parce que vous deux, je vous ai vu, t'avais triché là-bas là. T'avais parlé beaucoup. Fais pas 3 figures. Et Ram, on va manger des légumes. En plus, tout est prêt dans le micro-ondes. Oh! Ouais, ça n'avance même pas, les gars. Attends, les roues à l'arrière, elles sont crevées. Attendez, elle est en train de crever la roue à l'arrière. Relève-toi, il y a des voitures. Viens m'aider. Oh la dinguerie. Je peux pas les faire à sa place sinon. Vas-y, tu fais 3 figures à sa place parce que lui c'est pas trop ça. Hein. Première figure, je lève les deux pieds. Ok, c'est validé. Deuxième figure, en mode yoga. Oh, c'est validé. Elle en a fait son côté. En vrai, c'est validé. Elle est validée à 100% les amis. Ça fait 3 figures. Elle a fait check. Tu remportes ton défi. J'ai gagné les 1000 euros. A few moments later. Pour une fois que j'ai le droit d'être sur la moto, c'est incroyable. D'habitude, jamais il me laisse monter sur la moto. En plus, elle est grave belle. Hey, Mimi. Quoi? T'es moi, j'ai ramené quoi? Un bon goûter, les amis, parce que ça donne vraiment faim. Avant cet après-midi, ça va être une dinguerie. On a, regarde ce qu'on a. On a des Kit Kat Chunky, Black and White. On a des Kit Kat au chocolat blanc Chunky. T'es malade? Mais moi, on a attrapé froid. Nous deux en même temps, en plus, on est malade pendant l'été. Ton nez, il est tout rouge. Oui, t'inquiète. Oui. Mais en vrai, est-ce que t'as déjà testé le Kit Kat Chunky? Non. Ok, bon, teste pas. Non, mais je rigole, c'est pour moi ça. Non. Wallah, le Kit Kat, c'est pour moi. Ma soeur, elle est malade. Goûte des chips. Ouais, mais par contre, comment je fais? Parce que moi, je dois manger sur la moto aussi. Bah. Faut qu'on pose les chips. Genre, voilà, là, c'est pour les chips. Là, les gars, on va mettre nos petits Kellogg's. Une moto, code familia. Il faut que de la bouffe. Et c'est pas fini, les amis. Ces chips-là sont incroyables. Mais les gars, il y a que Younes pour avoir ce genre de moto, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait à l'arrière? On a aussi un peu soin. Un peu du jus de raisin, les gars. Je sais où le caler. Vas-y, cale-le. Voilà, carré. Voilà, là, on a une moto multifonction bouffe. C'est carré. T'as plus qu'à descendre. Vas-y, descends. Descends, t'inquiète, je te montre un bail. Voilà, super. Tu peux faire du sport si tu veux, tiens. Il y a une petite appareil. Moi, je me mets là. On va se prendre un petit jus.
Tu sais faire quoi? Ouais, je sais faire des tractions. Je sais faire des tractions. Vas-y, fais. Hey, si tu sais faire des tractions, c'est une dinguerie. Ouais. Vas-y, monte. 100 euros si tu montes. 100 balles. 100 euros. 100 balles tout de suite, cash. Cash. Tout de suite. Ok. Je me chauffe les mains. Elle a l'air de savoir le faire. 100 euros, t'es sûr? Si tu passes ta tête au-dessus de la barre. 1, 2, 3. Allez, monte. En vrai, j'étais presque. Vraiment pas. À charger la moto dans le coffre, j'ai vraiment peur parce que le coffre il est ouvert. Yacine, montre-leur le setup s'il te plaît. Regardez, la moto elle est chargée juste derrière le coffre, il est à moitié ouvert. Et là, regardez, Younes, comment il conduit avec ses genoux. C'est genoux qui colle le truc là. Je conduis tout doucement, je prends pas de risque. Il y a des gens derrière moi, vous patientez. Avoir une moto, c'est bien, vous allez voir qu'on va aller en faire pour le 24 heures. Mais pour la transporter, il faut une petite camionnette. Donc s'il y a un abonné qui peut nous prêter une camionnette, s'il vous plaît, prêtez-la nous parce que là c'est la galère. Comment tu vas sortir la moto là, c'est la galère. Les gars, on a baissé tous les sièges, mon père il m'a fait un truc de ouf, regardez la ficelle. Avec ça on a maintenu le coffre et le coffre là il s'est ouvert, c'est une dinguerie. Mais ça, comment je laisse... on va sortir la moto Younes là, c'est impossible. Non là. C'est... Hey. Regarde, est-ce que tu vois ça? Okay. Un titan colossal. Vas-y, essaye. C'est bloqué là. Tu veux pas venir m'aider s'il te plaît? Mais frérot, comment ça venir m'aider? On peut pas la sortir là. Je sais, j'ai une solution. On ouvre la porte. Mais Yacine, oh là, il faut que tu viennes m'aider, frère. Je peux pas tout seul. Pose ta caméra et viens m'aider, mon frère. Ok, vas-y, j'arrive. Bien évidemment, la famille, c'est interdit d'en faire dehors. Du coup, on va devoir la ramener à un endroit spécial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'as une motocross comme celle-ci, en France, c'est très dur de trouver des endroits où t'as le droit de faire de la moto. Nous, heureusement, on a trouvé un coin. Même si c'est un peu loin, on a quand même réussi à la transporter. Si on se fait attraper par la police avec la moto, qu'est-ce qu'on risque à ton avis? Alors, en gros, si par exemple, t'es dans la route et la police il t'arrête, ils vont prendre ta moto, ils vont te la détruire et t'auras une grosse amende où tu peux même avoir des trucs plus graves. Ah, mais Younes, je suis un ouf. Il y en a plein des abonnés, ils savent pas comment utiliser une motocross. Si à la maison, vous voulez vous acheter une motocross pour vous faire plaisir, je vais vous apprendre comment conduire une moto, c'est archi facile. Alors regardez bien, ici on a la béquille, c'est simple, il faut toujours pas oublier de la mettre quand la moto elle se repose. Ensuite là on a pour démarrer, viens voir Yacine, je leur montre ça là, ça c'est pour démarrer, vous allez voir après, vous allez voir Yacine il va faire des coups de cric. Dès qu'elle est démarrée c'est ultra simple, si vous avez le frein basique pour toujours freiner comme un vélo. Et regardez là, c'est pas le frein, là c'est un embrayage. Pour passer la première vitesse, il faut appuyer sur l'embrayage, lever le boîtier de vitesse vers le haut et là vous serez en première. Une fois que vous avez la première, vous relâchez tout doucement et vous accélérez. Pour passer la deuxième, c'est toujours en haut. Bien évidemment la famille, on a ramené un casque. D'ailleurs, un message pour tout le monde, ne faites jamais de moto sans casque. Le casque c'est la base parce que imaginez-vous, vous tombez, c'est super dangereux. Au moins le casque, il peut vous protéger votre tête. C'est que déjà même ne faire jamais de moto en t-shirt parce que imaginez, regardez les gars par terre. Regardez, si on tombe, c'est notre corps qui prend. C'est la merde. C'est pour ça qu'on va faire comment attention. On fait pour Alors là, Yassine, je t'ai mis une GoPro. T'as vu, je t'ai mis. Mais tiens pas, regardez. Mais c'est normal, faut le serrer, frère. Comment on fait? Regarde, faut bien serrer. Comme ça, les gars, vous allez avoir une POV sur le casque et une POV avec moi qui file. Comme vous le voyez derrière moi, les gars, on a le parcours de la moto. Sachez que quand vous allez passer votre permis moto, il faudra faire ça. Donc on a des slaloms à faire, sauf que Yassine aura le droit de poser seulement deux fois le pied par terre et finir l'épreuve en moins de 30 secondes. Est-ce qu'Yassine est dans mon pilote ou pas? Aïe, 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 on va voir. Par contre, les gars, là, c'est l'épreuve de la mort. J'ai peur que la vidéo soit annulée à cause de ça. En gros, la moto, elle a un problème depuis certains moments, elle met du temps à démarrer et parfois elle ne démarre pas. Donc là on va essayer de la démarrer, ça va être chaud les gars, je vous promets rien, je vais faire de mon mieux. Donc là pour l'allumer, il faut tout simplement allumer le coupe-circuit. Donc là il faut mettre sur run, l'arrivée d'essence, il faut la mettre sur on aussi. Peut commencer à mettre des coups de kick et là les amis, c'est là où ça va être le plus dur de la faire démarrer. Imagine, elle démarre en une fois les rails. Bismillah. Bon, j'espère hein, mais bon, ça m'étonnerait. OK, c'est parti. Oh oh, ça va être la galère les amis. Oh là là, Younes, dans quelle galère on s'est embarqué. Ici là, il tourne le boulon un peu. Ça va mettre un peu de puissance dans le moteur. Younes, il prend le relais parce que moi, j'en pouvais vraiment plus. Oh oui, elle va bientôt démarrer. On l'a laissé dans le garage tellement longtemps qu'elle s'est endormie. T'as vu, elle est rouillée. Ouais. Il a réussi. Let's go. Il a démarré la moto, incroyable. Attendez, je vais juste regarder si elle marche vraiment. Juste là. Attends, t'accélères pas. Ok. Allez, Yacine qui va s'élancer, les amis. Va-t-il réussir? Ça y est, là, il teste. À un moment, c'est carré. Est-ce que Yacine, c'est un pilote? Attention, il a le droit de poser qu'une seule, une, deux fois la jambe. Là, c'est super dur, les gars. Promets, c'est super dur. Ok, bien joué, Yacine. Oh, le boss, est-ce qu'il va réussir les plots là-bas? Les plots, les gars, il a posé une fois le pied. Là, c'est une petite épreuve pour savoir s'il est fort. Ah, c'est les gars, franchement, il se débrouille bien. Allez, tu peux y aller maintenant. Là, il va accélérer, les gars, c'est une dinguerie. Ça y est, il est parti les gars, on le revoit plus. On a réussi à faire démarrer la moto et là du coup en fait je pense qu'il fallait la laisser chauffer parce que comme je vous ai dit, ça faisait longtemps, elle était pas restée active. Et là Yacine il se régale le gamin. Mais regardez-le, il est parti grave loin wesh. Ah il revient. Oh il est en train de bombarder. Regardez comment il bombarde. On dirait un champion de motocross les gars. Oh c'est une dinguerie. Bien joué ça. Masterclass. Ok,
incroyable. Bon les amis, quel plaisir. C'est incroyable. La poussée d'accélération pour arriver jusqu'à la ligne droite là, c'était incroyable. Et encore, dites-vous, je suis dégoûté qu'il y a des pierres partout parce que vous voyez là-bas, il y a un endroit où il y a pas de pierres. Là-bas, Younes, waouh, quelle masterclass. Mais Myriam, tu triches, elle est où la moto là? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Commence par la mauvaise nouvelle. Ok, la mauvaise nouvelle, je sais que c'est déjà la moitié des vacances. On a déjà dépassé la moitié des vacances. Ah oui. Wow, ça passe trop vite, bientôt l'école. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que on est avec nos familles, on est en bonne santé grâce à Dieu. Donc n'oubliez pas pendant les vacances de toujours faire la prière, de lire le Coran, de faire tout ça. Ah oui, pour les croyants, parce que c'est pas parce que c'est les vacances qu'on oublie de faire ça. Ok, d'ailleurs, bah là c'est l'heure de la prière. C'est pour ça que t'as pas pris la moto. Ouais. Tous les musulmans, la famille, n'oubliez pas votre prière même pendant les vacances. On prie et on continue le 24 heures. C'est le moment de se faire un petit foot, les gars. L'été, t'es obligé de jouer au moins une fois au foot par jour. Donc là, les gars, on a mis les motos au milieu parce que vous savez que c'est 24 heures en moto. On va servir de moto comme filet. Myriam, tu vas aller en face de moi. On va faire un tennis ballon. Okay, si tu te bats, je joue contre Yacine. Si tu me bats, tu joues contre Yacine. Okay. Celui qui touche la moto, par contre, ce que j'ai pas dit, c'est cul rouge. Par contre, faudra me rappeler les règles d'un tennis ballon parce que je sais pas trop. Et je pense en vrai, je vais gagner Lionel Messi. Mbappé. Alors, un tennis ballon, c'est simple. T'es en face et en gros. Tac. Qu'est-ce que tu fais? Ah, genre ça, genre. Mais non, c'est pas ça un tennis ballon. Tu connais rien dans ta vie, un tennis ballon, c'est que les pieds comme ça, la droite à droite, à un rebond. Et faut pas toucher les motos sinon, cul rouge. Voilà, comme ça, hop, tac, et faut que ça fasse un rebond. Ok, ok, j'ai. C'est bon, t'as compris? Ouais, j'ai. Allez, c'est parti, les amis. T'as le droit d'utiliser les mains une seule fois. Ok, tu veux servir comme ça, tu veux jouer à ça? Donc, l'illimité, hein. Allez, hop, faut pas toucher la moto. Wesh, elle est grave fort! Oh, bien joué, mais Myriam, c'est une pro! Ma parole, c'est une pro! Allez, tiens, prends la celle-là. Wesh! Tu la voyais pas de celle-là. Hein. Allez, deux rebonds. Deux rebonds, les amis. Je savais pas, je te jure, je savais pas. C'est pas mon problème. Mais non, je savais pas. Tu sors. Bien, je savais pas, c'est pas du jeu. Ça se fait pas. Moi, pour la peine, j'appelle le Joker. Par contre, les amis, c'est moi le boss de la famille au tennis ballon. D'ailleurs, le jeu, il s'appelle pas le tennis ballon, il s'appelle le Yacine ballon. Ça doit être ça. Toi, t'es le boss depuis quand? T'es le boss. Je suis le boss. T'es le boss de quoi? Je suis le boss. Le boss des bêtises. T'es il faut toujours rentrer son maillot dans son pantalon, comme t'es ça. Le boss de rien du tout. Tac. On a droit à un rebond, Nadji, c'est tout. Un rebond. Jongle illimité. Une fois à la main. Ok. Allez, tiens. Okay. Tiens! Non, tu fais qu'une touche. Allez, tiens, tu sais pas faire ça. Hein. Mais si. Tiens! Ouais, allez, va la chercher celle-là. Tiens, de l'épaule. Tiens, mon gars. Et là, je vais te matcher. Et là. Baba! Oh, le gamin! On avait le droit une fois à la main. Et là, je se match. What the? Baba! Oh, le gamin! Petit pont! On avait dit au début. Si je touche ton moto, c'est que rouge! Dans les cages! Soit je suis gentil, je tire doucement, soit je suis méchant, je tire fort. Vous pensez quoi dans les commentaires? Si vous voulez que je tire fort, mettez un like. Si vous voulez que je suis gentil, mettez un commentaire. Commentaire. Ça fait mal! Ça fait mal! Ton pied, c'est un pistolet ou quoi? Les gars, si vous voulez que je tire fort, abonnez-vous. Si vous voulez que je tire doucement, mettez un like. Et les gars, si vous voulez que je quitte la vidéo, faites rien. Ok, vous êtes tous abonnés. Ils ont rien fait! Je dois partir, désolé, ils ont rien fait, Reste là, reste là. C'est une blague, mais c'est quoi cette frappe de fou que vous avez dans la famille? Allez, c'est parti, Younes. Vers le haut, les gars. Il a passé la première. Oh non, attends, stop. Regardez le gros. Il a dégonflé la roue. Arrête. Ok, c'est parti. Il va directement faire une ligne droite. Oh là 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 là, incroyable, les amis. Il se la régale. Là, franchement, je vous dis la vérité, les sensations, elles sont incroyables. Surtout, là, la ligne droite, elle est longue. Y a pas meilleure sensation de sentir le vent quand t'accélères là, c'est une dinguerie. Younes, il va faire le parcours, les amis. Let's go. Ok, directement. Ok, il pose pas son pied par terre. Ok, ah, une fois pied par terre. Aïe, malheureusement, c'est un échec. Il va devoir faire le tour du poteau gris et revenir au milieu. Le tour du poteau en 30 secondes, les amis. Il a 30 secondes pour le faire. Juste, ça va être. Les amis, est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Attention. Ok, c'est validé. Eh les gars, faire de la moto, c'est trop bon délire. Hein. Mais ça fait tellement peur si tu tombes. Eh, dis-toi, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de ceinture. C'est ton corps, les airbags, c'est une dinguerie. J'ai pas oublié, vu que j'ai fait les 3 figures, Younes, il avait dit que j'ai gagné 30 euros. Eh, moi, je suis un homme de parole. Dès que tu gagnes un truc, je paye. Et t'as pris quoi? On va découvrir ça ensemble. Ouh. Elle dit où? Elle découvre un papier. Moi, c'est ce qui m'a frappé le premier. Ouais. C'est les frites maison, viens voir. Regardez, vous voyez ici là, on voit encore les pommes de terre épluchées. Ça, c'est des frites maison, ça a l'air incroyable. Ah ouais, comment tu sais que c'est maison? Bah, ça se voit, ça a été épluché avec une pomme de terre. Si, ouvre le burger pour voir. Qui dit que c'est un burger? Bah, ça se voit que c'est un burger. Un burger au poulet. Oh, ça a l'air incroyable. Ça, son problème, tout ce qui est légumes, elle est allergique. Quand je dis allergique, c'est pas malade. Hein. Elle les enlève parce qu'elle aime pas. C'est grave. Les gars, une journée en moto, c'est vraiment incroyable. De gros tenders avec la sauce Biggie, je crois que c'est de la sauce Biggie. Par contre, il y a un truc qui me convient pas, c'est les oignons. Oh, mais Myria. On va goûter si c'est bon que les oignons. Bah oui, c'est bon. Allez, teste. Le regard qu'elle a fait. Je suis pas pessimiste de l'air. Si. Ok.
De toute façon, t'es malade, t'as pas le goût. Ah ouais, c'est vrai, quand t'es malade, t'as pas le goût. Dis-toi, elle est tombée malade en été, c'est une dinguerie. Alors pendant que Myriam, les gars, elle est en train de savoir si c'est bon ou pas, regarder avec Yassine, on est en train de regarder les vrais motocross. Derrière toi, il y a des vrais motocross, Yassine. L'oignon, ça pute. Ah ouais? Oh, t'as fait une dinguerie, Yassine. Mais j'ai pas fait une dinguerie. Enlève-lui l'oignon, t'as un gamin, ouais, Yassine. On lâche un gamin. On a vu les motocross, les amis, ça coûte super cher. Regarde, 1 700 € au lieu de 2 200. Non, 5 000 Lyonnaise. Euros. Mort. Non, va sur celle 1 700 €, mais 5 000 €. Même 1 700 €, faut faire un crédit, frère. Genre 1 400, celle-là, ça va. 1 400, trop, trop belle. Elle va combien de kilomètres heure le plus vite possible? Attends, on va goûter sans oignon, c'est là. Moi, les gars, sans oignon, c'est mieux. Par contre, le tender, c'est un tender slippé, regardez. Tu fais là. Mais ramasse là, ramasse. Je suis ton chien. Trouve-le où il est tombé. Il est tombé vers le coin, je sais pas où. Trouve-le où il est tombé. Hein. Ah, charge maximum 140 kilos. T'es sûr que tu pourras monter dessus, toi? L'usage des motocross, des quads, des buggy sont interdits sur la voie publique si elle est pas homologuée. Mais c'est normal, imagine, tu fais ça sur la route, tu sais pas en faire, tu fais n'importe quoi. C'est sûr que tu vas payer 1 500 €, t'as même pas le droit d'en faire. T'en fais dans des parcs. Et attends, qui en fait dans la rue? C'est pas possible. Oh, maintenant on va tester la crêpe. Oh là 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 là. Attends. T'as cru que t'allais t'en sortir comme ça ou quoi? Oui. J'ai un défi pour la crêpe. Peut-être qu'elle va revenir à Younes. Oh non. Oh. Celui qui fait le mieux le bruit de la moto avec la bouche remporte la crêpe sucrée. Incroyable. La motocross, les gars, qui a pas beaucoup d'essence. Il m'a craché dessus. Mais c'est catastrophique ce que vous avez fait. Regardez le vrai bruit d'une crosse, c'est quoi? Elle a fait le bruit d'un flop. Là, c'est pas une motocross, c'est un flop. Oh. Bon, du coup, vu que vous êtes nuls, vous deux, bah, la crêpe, elle revient à Myriam. Quoi? Ah, Younes! C'est tellement gros, on dirait un appareil de télé. L'écran, mets la 5, mets la 5, mets la 12. Waouh! Wow. Du Nutella! En vrai, le Nutella, je crois que c'est la meilleure pâte à tartiner au monde. Oh. La Nutella, c'est incroyable. Je vais rester cloué là, je crois. C'est bon à ce point. One hour later. Les amis, il a voulu jouer à ça, Younes. Je vais te proposer un défi, méga défi. Tu vas devoir lever en I. Ah, le pneu, oui, parce qu'il est trop gros. Parce que j'ai pas un peu mangé, c'est il est trop gros, c'est à cause de lui. Ah ouais? Assis-toi. Vous avez vu? Là, le pneu, là. Je t'avais dit tout à l'heure. T'as mangé trop de kebab. Non, il est pas assez gonflé. Ah, vous pensez? Non, je suis certain. Ok. Toi, t'es vraiment en train de m'afficher devant les gens. Tu dis que je suis gros. C'est quoi la technique pour lever en I? J'y arrive pas. J'ai la vérité, Younes. La technique pour lever en I, c'est au moment où tu passes la première vitesse. Ça c'est tout ça, mais c'est grave dangereux parce que regardez par terre. Vous voyez les bouts de pierre là? Est-ce que t'as envie de te faire mal? Non, mais je me sens chaud. Je me sens chaud. Oh le fou. Oh le fou. Ok. Fais gaffe. Oh lolo. Ouais. Eh mon gars, incroyable. Allez. Waouh. C'est catastrophique ce qu'il fait, mais faut pas lui dire. Eh, je te promets, Younes, c'est incroyablement catastrophique. Mais les gars, la moto, elle veut pas se lever. Je suis là, je mets des gros coups d'embrayage. Donc là, toi, t'as un dinosaure, tu crèves les pneus avec ton corps de dinosaure, mais t'arrives pas à lever en I. Ça veut pas se lever, Yacine. Tu comprends pas le français, ça ne veut pas se lever. Arrête de m'énerver, je suis pas gros. Est-ce que je suis gros? Dites dans les commentaires. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est le meilleur 24 heures. Un des meilleurs, parce qu'il y en a où on mange toute la journée, c'est incroyable, que j'ai fait de ma vie. Les gars, rouler en moto, c'est trop stylé. Tu te fatigues pas, t'accélères, t'as l'impression d'aller vite comme Flash. Et c'est trop masterclass. C'est un mentor. T'es sûr, c'est une masterclass. Maintenant, comment on la met dans le truc? Comment on la met dans le truc maintenant? Regardez comment c'est la galère, les amis. Oh là là. En plus, elle pèse une tonne, frère. Cicatrique, comment on va la mettre, frère? Par contre, au lieu de filmer, tu vas venir m'aider, s'il te plaît, parce que là, masterclass, mais c'est pas moi qui fais ça le boulot, je te le dis. Hein. Je suis bloqué là, comment je fais? Les gars, c'est une dingue, on a réussi à rentrer la moto. Toi, tu m'as bloqué avec la moto. Oh là, c'est une catastrophe, les gars. Hé, je transpire. Tu vas pouvoir sortir de là? Tu vas sortir de là? J'enlève la moto? Aide-moi. Comment je fais? Je t'ai acheté d'affaires quoi? Je suis bloqué, frère, je suis bloqué, tu vois pas que je suis bloqué? J'ai mis de l'avant la moto. Mais pourquoi? Non, pourquoi tu fais ça, Younes? Non, démarre, mais frère, mais voilà pas. Oh, c'est la mi-temps, il reste une mi-temps, je veux la vendre, ça y est. Hey, on finit la vidéo, je la vends. Si à 20 000 likes, tu la vends pas, c'est non, bon. Non, vas-y, stop. Mais t'es 20 000 likes, la vends quand même. Regarde, je transpire, t'es mains. On dirait que j'ai fait du fou. Les gars, c'est le moment de se reposer. Par contre, je me disais si j'ai envie de dormir un peu. C'est pas comment faire, wesh, y'a aucune position confortable. Soit tu te mets comme ça, maintenant là, je peux m'éclater. Attends, y'a pas un truc pour mettre les pieds, je mets mon pied comme ça. La béquille, elle est par là. En vrai, là, je tape mon meilleur sommeil. Il n'y a pas de coussin. Vu que moi et Myriam, on est les boss de la journée et qu'on arrive à la fin de la journée, la famille peut y avoir que un boss. Oh, c'est moi. On va s'affronter, Myriam contre moi, au jeu de l'épervier. Donc la balle, on va la mettre au milieu, juste ici, sous la roue, comme ça. On va la bloquer. Va aller dans son camp, je vais aller dans mon camp. Le premier qui la prend et qui va sans que l'autre le touche, porte le défi. Attention, celui qui va prendre la balle, c'est le boss. Oh non. Allez, vas-y, viens maintenant. Viens. Ouais, je suis la boss. Il y a la moto qui me gêne, je peux pas, frère, c'est trop. Allô,
Loser, loser. Il va tenir la moto pendant 15 secondes avec ses bras. Oh, ok. Yacine. Arrête, Yacine. Arrête. Yacine, si tu l'as fait tomber ta raquille rouge. Ah, je vais pas tenir. Oh, mon dieu, c'est quoi ce big boulard là? Attends, je te retiens, toi, je te retiens, toi, je te retiens. J'ai rangé la moto, les amis, je suis dégoûté, elle était trop bien la moto. Pourquoi t'es triste? Funès, il a dit qu'il veut la vendre. Quoi? Il a dit qu'il allait vendre la moto, on n'aura plus de moto. Oh non. Du coup, les amis, moi, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être la dernière fois que vous nous voyez avec cette moto. Nous, on va vous laisser là, n'hésitez pas à mettre un max de like, à vous abonner. Ciao.